Coucou les enfants, pour notre rituel de mathématiques, nous allons faire un jeu. Ça s'appelle le jeu du portrait. Regarde bien, il y a toujours mes animaux. Le chien, il a cette feuille là. Le lapin, celle-ci. Et le poisson, celle qui est là. D'accord? J'ai choisi une feuille avec des carrés de couleurs. Je vais vous la décrire, je vais te la décrire. Et tu me diras laquelle c'est, à quel animal elle appartient, cette feuille. D'accord? Tu es prêt? Par exemple, je dis, je vais me lever comme ça, tu peux voir. Le vert, le carré vert se trouve en haut, à gauche. À qui appartient cette feuille? Le carré vert se trouve en haut, à gauche. Alors, tu peux écrire ou dessiner ta réponse sur ton ardoise. Alors, celle-ci, peut-être, on va la faire ensemble. Où est-ce qu'il y a un carré vert qui est en haut et à gauche? Est-ce que là, il est en haut à gauche? Non, il est en haut à droite. Est-ce qu'ici, il est en haut à gauche? Non, il est en haut à droite. Est-ce que ici le carré vert est en haut à gauche? Oui, c'était donc la bonne réponse, c'était donc le poisson. Ok? On continue? Cette fois-ci, tu le fais tout seul. Alors, cherche la feuille ou le jaune, sur laquelle le jaune est en haut à droite. Le jaune est en haut à droite. Je te laisse un peu de temps. Tu peux aussi mettre la vidéo sur pause. Maintenant, regarde bien. Je pense à la feuille sur laquelle le carré bleu se trouve. En bas à droite. En bas à droite. Laquelle c'est? Maintenant, quelle est la carte sur laquelle le carré rouge se trouve en bas à gauche? Ça y est, tu as trouvé? Ok, maintenant, je vais te donner plusieurs indications. Tu es prêt? Alors, je pense à une feuille sur laquelle le carré vert est en haut à droite et le carré rouge est en bas à gauche. Ça y est, tu as trouvé? Ok, maintenant, encore une autre question. Tu es prêt? Je pense à une feuille sur laquelle le carré vert est en haut à droite et le carré rouge est en bas à droite. Laquelle c'est? Ça y est, tu as trouvé? Tu peux soit faire le dessin de l'animal ou soit tu le dis tout fort et tu t'enregistres. Tu peux aussi mettre la vidéo sur pause.
Ensuite, je pense à une carte sur laquelle on voit le carré vert en haut à gauche et le carré bleu en bas à gauche. Tu as trouvé? Maintenant, je pense à un animal, à une feuille sur laquelle on trouve le carré jaune en haut à gauche et le carré rouge en bas à droite. Voilà, eh bien, bravo les enfants, à la prochaine!